Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un moment d'aventure, une nouvelle survie que je vais commencer dès aujourd'hui. Alors ce sera une survie avec un seul épisode, tout simplement parce qu'en fait j'ai tout simplement pas le temps de faire plusieurs épisodes. J'ai déjà prévu de faire plusieurs épisodes d'un autre saison, enfin, un autre épisode je veux dire. Et du coup je vais faire cet épisode là. Juste un épisode, comme ça on va pas non plus faire 10 milliards d'épisodes. Bon, alors il y a un petit peu de lag, hein. Ne vous inquiétez pas, il va mourir. Alors notre but pour l'instant c'est de récupérer un max de nourriture, même si on a déjà 32 pommes, ce qui est déjà pas mal. On va un petit peu visiter les alentours parce que j'ai l'impression que c'est un monde assez sympathique, assez réaliste. Du coup là on a quelques moutons, quelques chevaux aux alentours. Alors du coup on va continuer un petit peu l'aventure. Là il y a des énormes, juste des immenses arbres juste là. On a des espèces de nuages, je sais pas exactement ce que c'est là-haut. Alors on va continuer là-bas parce que là je vois qu'il y a un château, un espèce de château là-bas. Tout de suite aller s'informer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, il y avait un petit bug, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est juste le livre de Tinker's Construct. Ouais, on va essayer quand même de se dépêcher un minimum. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok, tout à fait, ouais, sympa. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Du coup, on va un petit peu continuer là-bas, on va faire le château, sans, en espérant de ne pas avoir des énormes rollbacks. On va récupérer un petit peu toutes les fleurs, parce que je crois que tant de modpack qu'il y a botania, j'en suis pas sûr. Justement, botania sert juste extrêmement ah voilà, enfin c'est plus bugué comme tout à l'heure. Extrêmement de nouvelles plantes, hein. Tania c'est vraiment un mode vachement bien fait. Donc, peut-être qu'on va se faire une petite mini base par là. On a récupéré pas mal de planche. Et là détruire les petits détails et du coup on va se crafter la petite table de craft. Oui pour l'instant un petit coffre. Et qu'est-ce qu'on peut se crafter d'autre? C'est quoi ça? Bon, j'en sais rien. On pourrait se crafter. Je sais plus ce que je voulais crafter. Pour l'instant, on va laisser là le bois. Enfin, non, le bois, on va le laisser là. Bon, tout ce qu'on a pas besoin, en gros. Ici, on a un truc. Je sais pas exactement ce que c'est. On verra ça plus tard. Alors, ici, c'est. Ah ouais, non, c'est rien de très important. On va aller du coup, ce que je voulais aller de tout début dans la petite, dans le monument là-bas, juste l'espèce de château, je sais pas exactement ce que c'est. C'est beaucoup trop loin pour que je voie. On continue là-bas. Et je pense qu'on aura pas mal de trucs. Ah voilà, là on pourra peut-être faire une farm un peu plus tard. Berries. Pour l'instant, on va manger un petit peu de riz et de pommes. Alors, ici, bon, alors c'est un donjon. On va juste laisser ça peut-être pour farmer des zombies. Et tout en haut, on a encore juste monté jusque tout en haut. On va quand même détruire ça.
Ah ouais, ça c'est cool ça par contre, je savais pas qu'on pouvait récupérer des broken spawners. Bon, alors, maintenant, machin, bon, on récupère tout. On va aussi casser ça. Du coup, si on reçoit un broken spawner, c'est déjà pas mal. Alors, je propose qu'on aille peut-être là-haut, mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant, on va aller un petit peu visiter les alentours. On va pas aller trop loin, hein. Parce que la maison elle est là-bas. C'est comme un modpack avec pas mal de mods, alors c'est pour ça que ça lag pas mal. Je crois qu'il y en a 161, un truc du genre. 160 environ par là. Ah, alors là je vois qu'on a une mine. Mais j'ai pas de minecart. Bon, c'est pas grave, je pense pas que c'est absolument nécessaire de construire un minecart. De toute façon, on peut très bien aller comme ça. Ah, 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 on a un loot bag, on va tout de suite le prendre. Ah, d'accord, un bucket, c'est pourri, on va le laisser là. Ouais, non, peut-être, on sait jamais, on garde tout ce qu'on voit. On a un petit minecart qu'on pourra utiliser. Et voilà, voilà, on a de la redstone, du diamant, du steel axe. Bon, alors on va un petit peu, en fait, on va garder ça et le looting bag aussi on va prendre. Puis le reste on laisse, on n'en a pas besoin. Alors on va remonter tout ça. Et voilà. Du coup, c'est bon, on a récupéré pas mal de stuff. On va retourner à la base, on est déjà assez plein. J'entends des bruits par là, je sais pas ce que c'est. Je vais remettre un petit peu de cochon. Voilà. Là-bas, je vois qu'on a... Bon, on va laisser ça, on n'a pas besoin de sunbrick. Le bois, c'est toujours important, ça peut toujours nous servir. Ça peut toujours dépanner 2-3 petits trucs, c'est important. Du coup, on va continuer vers la maison et on va garder tout ce qu'on a sur nous. Et peut-être... Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il fait jamais nuit. Si, si, en fait, c'est... Le soleil... Ouais, le soleil. Donc, bon, du coup, là, je pense que là, c'est bien trop en train de faire nuit. C'est dommage que c'est pas écrit l'heure. Déjà, je vois des espèces de mobs. On va pas trop s'en approcher. Ouais, le creeper devait exploser. Ouais, non, en fait, on va pas du tout s'en approcher. On va très rapidement partir. Ouais, comme je vous disais, c'était extrêmement dangereux sur ce modpack la nuit. Voilà, super. L'araignée, génial. Et voilà, super, voilà, c'est bon. Génial. J'ai pété la gravestone et voilà, on récupère tout, c'est génial. On va laisser tout ça là-dedans. On va créer très rapidement une porte. Bon, je vous avais prévenu, la nuit sera extrêmement dure. Bon, je pensais pas à ce point dur. Mais bon, en fait, j'avais déjà des torches en fait sur moi. Bon, on peut essayer de faire un petit peu la chasse aux zombies. Voilà. Parce que de toute façon, on n'a pas de laine. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est en arbre. Bon, alors on va un petit peu. Mais heureusement qu'il se prenait pas. Je suis spawné par les torches. Enfin, heureusement, Minecraft a mis au point de. Que les mobs ne peuvent pas spawner. Non, 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 non. Maintenant, je fais extrêmement attention. J'ai de farmer du mouton, j'en vois qu'il y en a. Bref, du coup, alors on va un petit peu. Bon, alors heureusement que maintenant il n'y a plus autant de mobs que tout à l'heure. On récupère un petit peu de fruits.
va un petit peu aller. Je sais pas si on va vers la forêt de boulot ou vers la forêt juste là-bas. Non, non, pas cette merde. Pas cette merde. Extrêmement rapidement se réfugier. Essayer de ralentir la bête. Salut. Ah, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrive, j'arrive, j'arrive à le contrer, j'arrive à le contrer. Ouf, c'est bon. Moi, Non, 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 non. Petit détruire ça. Ah, c'est bon. Attends, je m'équipe. Voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh là là, bon, j'ai réussi à les contrer. C'est bon, tout va bien. On reste à la maison. Regardez tout ça. Et les amis, je propose qu'on s'arrête là. Et du coup, ça a été une aventure assez courte, mais cette aventure, elle a été pas mal déjà. On a fait quelques petits trucs assez intéressants. On a visité un donjon, une mine, et on a vu des énormes arbres. J'aurais bien voulu aller vers les nuages, mais malheureusement, ça n'a pas été possible par manque de blocs. Du coup, je propose qu'on s'arrête là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Nautilus Nautil.